mettre tout en improvisation pour vous ce soir, messieurs, dames. Tous les morceaux que vous allez écouter n'ont jamais été joués et ne le seront sans doute plus jamais. Compagne, compagnon, nous aurions tort de penser que nous vivons dans un vieux monde qui serait en train de s'effondrer. Nous aurions tort de penser que le chaos vers lequel il semble s'engouffrer n'est que l'inconséquence, l'imprévisible, et que de cet état, nul ne pouvait présager. Compagne, compagnon, car il n'est point de chaos pour nos maîtres, et rien ne dissout les privilèges de ceux qui nous asservissent. Compagne, compagnon, la dictature est là. Elle n'est plus à nos portes, elle est entrée dans nos maisons. Elle est dans nos postes de télévision, dans nos radios, dans nos journaux, dans nos écoles, dans nos portes mourées, dans le regard oblique que nous portons sur les choses. Le regard oblique. Elle est dans les aliments que nous portons à nos bouches, dans l'air que nous respirons, dans les méandres mazoutés d'un marais sauvage. Elle est dans la violence et la répression quotidienne, la violence et la répression quotidienne, la violence et la répression quotidienne, la violence et la répression. Elle nous préside, elle est là, ici et maintenant. Compagne, compagnon, ainsi, l'heure de nos actes sonne et nous ne pouvons plus détourner le regard. Voilà notre chance. Voilà. Car il faudra d'abord se regarder bien en face et porter sur chacun de nous, à commencer par nous-mêmes, un regard d'amour et d'extrême sympathie. Voilà notre chance. À la croisée, nous sortirons debout des ornières, ensemble, main dans la main, comme si nous avions toujours marché comme frères et comme sœurs. À la croisée, nous sortirons debout des ornières, et plus jamais, nous ne porterons de chaînes. Oui, plus jamais, nous ne porterons